Les moyens utiles pour vivre heureux. 1. La foi et les œuvres pieuses. La foi mène à la patience, l'agrément et la satisfaction dans le partage des bienfaits d'Allah. 2. La bienfaisance envers les créatures par la parole et l'action. Le bien attire le bien et repousse le mal. 3. S'occuper avec une action ou une science utile. C'est un moyen de repousser l'anxiété ainsi que les soucis qui préoccupent le cœur. 4. S'occuper du travail présent. Ne sois pas chagriné et anxieux. Dissocie-toi des préoccupations du futur ou des tristesses du passé. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, demandait protection à Allah contre le chagrin et l'anxiété. 5. Évoquer Allah abondamment. Le rappel d'Allah procure l'apaisement du cœur. 6. L'évocation des bienfaits, qu'ils soient apparents ou cachés. Cela incite le serviteur à être reconnaissant et à oublier le chagrin et l'anxiété. 7. Observer celui qui est dans une situation inférieure à la sienne. Cela amène à louer Allah quelle que soit la situation, et à se contenter des bienfaits qu'Allah lui a octroyés, effaçant ainsi la tristesse et l'anxiété. 8. Oublier le détestable du passé. Ne plus porter attention aux événements antérieurs. Occuper sa réflexion en s'y attardant est inutile et futile, et relève de la bêtise et de la folie.